C'est donc le moment de conclure ces deux journées que nous avons consacrées donc au sujet Sauver le bien commun, cette idée que Challenge a eue avec l'École d'économie de Toulouse, TSE, et puis avec le partenariat de nos amis des Échos. Jean Tirole, vous qui avez été un peu à l'origine de cette idée-là, qui nous avez accompagnés pendant ces deux jours, quelle leçon vous en tirez de cette dizaine de sessions que nous avons eues, cette trentaine d'intervenants qui se sont succédés? Oui, tout d'abord, on a eu des sessions extrêmement riches. Moi, j'ai appris beaucoup pendant ces sessions et je voudrais remercier d'abord tous les intervenants parce que vraiment, ils ont été très bons. Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qu'on devrait en retenir? Je fais attention parce que j'ai beaucoup écrit dans l'économie du bien commun que nous entendons ce que nous voulons entendre et nous voyons ce que nous voulons voir. Et donc, je suis victime du même biais cognitif. Et donc, il faut que je mette un petit bémol sur ce que je vais dire. C'est clair que le bien commun, ça se réalise à plusieurs niveaux. Ça va de l'individu à l'État, à l'ordre mondial, d'une certaine manière. Donc, l'individu, il doit aussi comprendre quelle doit être sa contribution au bien commun. Et ça a été dit un certain nombre de fois dans les sessions, par exemple sur la session sur l'environnement, l'importance, par exemple, que les gens acceptent, et les entreprises comme les individus acceptent de payer une taxe carbone ou un prix du carbone, quelque chose qui serait efficace. Alors je sais que c'est pas très populaire, mais quelque chose qui serait efficace. Et penser que ça va rien coûter de combattre le réchauffement climatique, c'est vraiment une croyance motivée. Encore une fois, c'est quelque chose que nous voulons croire, mais qui n'est pas vrai. On a parlé aussi ce matin de l'investissement ESG, c'est-à-dire l'investissement socialement responsable. Et ça, c'est important, mais je pense que à la fois Catherine Casamata et Jean-Laurent Bonnafé ont très bien expliqué qu'en fait, dans un équilibre où l'investissement socialement responsable devient plus important, ce que je souhaite profondément, il faudra accepter aussi de toucher un peu un rendement un peu plus faible sur ces investissements. C'est normal d'ailleurs, parce que on a un service supplémentaire, on contribue au bien commun, et donc on sera prêt à payer normalement un peu plus cher pour des obligations vertes ou des actions vertes, c'est-à-dire avoir un rendement un peu plus faible. Donc il faut qu'en tant qu'individu, on accepte ce genre de choses. Alors après, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du carbone. Il est important que l'État prenne ses responsabilités, non seulement sur une tarification du carbone, mais aussi sur la recherche et développement et d'autres politiques. Et ça, plutôt que d'essayer de se défausser sur les entreprises, sur les banques centrales, c'est le rôle de l'État de prendre ses responsabilités et ne pas se défausser. Alors après, enfin, il y a le niveau multilatéral qui est entré un certain nombre de fois dans nos interrogations pendant ces deux jours. Donc on a parlé de nouveau du climat, puisque c'est un bien public mondial, donc il faut que tout le monde s'y mette, tous les pays s'y mettent, ce qui exige évidemment des transferts vers des pays plus pauvres. Donc on a parlé aussi de fiscalité, très important, donc un soutien très fort au processus de l'OCDE, le processus BEPS, sur l'érosion fiscale, de faire en sorte que les multinationales soient taxées. Et Joe Biden a poussé dans ce sens-là, alors a poussé peut-être dans le sens américain de la chose, mais disons que c'est important de reprendre le multilatéralisme. Et enfin, et on en a beaucoup parlé au sujet des vaccins. Alors justement, je fais référence à ce qu'était l'adresse préliminaire qu'a eu l'amabilité de faire le président de la République pour lancer ce sommet, et à la fin il disait j'attends des économistes des propositions, et je voulais prendre quelques-unes propositions qui sont venues au cours donc de ces différents débats. Et en matière de boussole du bien commun, vous vous placez là, Jean, hein, puisque vous avez écrit ce livre, et donc sur un certain nombre de propositions que je vais prendre, j'aimerais avoir votre avis, effectivement, si ça va dans le bon sens. On l'a vu tout à l'heure pour qu'il y a consensus sur la question de la taxation minimum des multinationales. Je fais référence à la table ronde précédente, justement, sur la santé, où Marisol Touraine avait évoqué l'idée qu'il fallait prévoir un accès libre aux brevets des pays du Sud dans toutes les négociations qu'on faisait dans les contrats avec, par exemple, l'Union européenne. Est-ce que bonne chose, mauvaise chose? Alors, il faut, pas une expropriation des brevets, parce que sinon, à la prochaine pandémie, qu'on n'aura pas de vaccin,
Mais disons qu'il faut contrôler les prix et surtout contrôler les prix pour les pays pauvres. Et c'est ce que United a essayé de faire justement avec ce patent pool qui est un regroupement de brevets et de transferts de technologies qui bénéficie aux pays pauvres. Mais il faut savoir que pour le bien commun, les pays riches doivent payer, sinon personne ne va payer et on n'aura jamais de vaccins ou de médicaments. Alors, deuxième sujet, toujours sur les vaccins, c'est une proposition qui est sortie du cœur de Abhijit Banerjee. Hier, dans la session que nous avions eue ensemble, il dit « mais il faut dépenser au moins 50 milliards de dollars pour la vaccination de l'ensemble du monde ». Alors, la réponse, c'est oui, parce que on n'est pas assez généreux, donc là on va donner, la France va donner un peu de doses excédentaires, donc ça c'est une bonne chose, mais in fine il va falloir produire plus, augmenter les capacités, faire du transfert de technologie, mais il faut aussi financer tout ça. Et donc COVAX a reçu, je crois, 4 milliards de la part des États-Unis, 3 milliards de l'Europe, alors qu'il faut 50 milliards, et c'est clairement pas suffisant. Ceci dit, 50 milliards, même d'un point de vue purement égoïste, oublions complètement les questions humanitaires, d'un point de vue purement égoïste, on ne veut pas que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, de nouvelles variantes nous reviennent en Europe ou aux États-Unis. Donc d'un point de vue purement égoïste, il est important d'éradiquer au maximum cette pandémie. Et pour ça, il faut aussi aider les pays pauvres à dépenser. 50 milliards, quand on réfléchit par rapport aux sommes qui ont été dépensées, rien qu'en France, on est à 200 milliards, je crois. C'est pas grand-chose. Le problème, c'est toujours le problème du multilatéralisme. Personne ne veut payer les 50 milliards. En fait, il faudrait... C'est comme d'ailleurs les transferts de fonds pour le climat. Il faudrait qu'il y ait un accord mondial des pays riches pour transférer cet argent. Les 200 milliards, ce n'était pas pour la vaccination en France, c'était pour l'ensemble des programmes qui ont permis effectivement de passer la pandémie avec le minimum de souffrance sociale. Il y a eu tout à l'heure une passe d'armes assez étonnante entre le commissaire européen Thierry Breton et le Nobel Bengt Holmström, quand Breton a dit « la Commission doit organiser la scène digitale ». Est-ce que notre prix Nobel a eu raison de s'offusquer de cette volonté de gendarme de Thierry Breton ? Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière organiser. Hein. Quel est le rôle de l'État là-dedans ? Planifier, sans doute pas. Il y a quand même des statistiques très inquiétantes. Si vous regardez les 20 plus grosses entreprises tech mondiales, 11 sont américaines, 9 sont chinoises. Quand vous regardez les 100 start-up les plus grosses au monde, il n'y en a que 2 en Europe sur les 100, et encore elles sont en Estonie et en Suède, on n'en voit pas en France. Donc ça veut dire que la richesse future, qui permettra aussi de financer notre système social, n'est pas là pour l'instant. Donc il y a un problème, et je suis entièrement d'accord avec le commissaire, pour dire qu'il y a un gros problème. Ceci dit, ce n'est pas en étant directif qu'on va résoudre ce problème. La façon dont on peut résoudre le problème, c'est par de la politique industrielle intelligente. La plupart de notre politique industrielle n'est pas intelligente, mais il y a de la politique industrielle intelligente. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis avec, ça a été mentionné dans plusieurs sessions, avec l'initiative DARPA de la défense américaine, BARDA, la NSF, c'est-à-dire la National Science Foundation qui finance les universités, National Institute of Health. Et en Europe, on a le Conseil européen de la recherche qui performe très très bien et qui, je devrais le rappeler, a financé des bourses de recherche à des chercheurs sur des sujets très difficiles, mais ça a donné naissance au vaccin de BioNTech et d'AstraZeneca. Donc c'est vraiment très important, de même que Moderna avait eu des financements de NIH. Donc c'est vraiment très important, c'est de la politique industrielle utile, mais indépendante, faite par les scientifiques, décidée par les scientifiques. Et un des problèmes du Conseil européen de l'innovation, qui est une bonne initiative, qui est plus en aval que le Conseil européen de la recherche, c'est que finalement la Commission européenne a gardé le pouvoir sur les décisions. Je pense que ce qu'il faut, c'est des managers qui soient des scientifiques, qui connaissent le sujet, qui interrompent les projets, c'est-à-dire que la plupart des projets risqués doivent être interrompus, il faut bien comprendre. 9 sur 10 doivent être interrompus. Et donc, il faut vraiment des managers qui fassent du bon travail. Et après, ça crée un écosystème autour. Ce n'est pas l'État qui décide de l'écosystème. Alors, quand on parle de bien commun, on parle volontiers, assez facilement, de taxation. L'économiste
Stéphanie Stanchova, hier, nous évoquait « Allez, il faut augmenter les droits de succession ». C'est bien pour le bien commun ? Alors, il y a le pour et le contre. Le pour est clair, je pense que c'est l'égalité des chances. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'égalité des chances ni éducative, on le voit très bien en France, on a un système extrêmement inégalitaire, mais aussi dans l'héritage de la richesse, qui permet quand même, ne l'oublions pas, un certain nombre de choses, par exemple de ne pas avoir, de pouvoir faire ses études sans travailler, etc. Il y a un problème qui est clair de ce côté-là. Et avoir une taxe sur l'héritage, je pense que la plupart des économistes sont pour. Alors, le problème que mentionnait Stéphanie Stancheva, ce n'est pas l'existence d'une taxe. On en a une en France et les taux sont relativement élevés d'un point de vue mondial. Le problème, c'est qu'il y a des trous dans la passoire, comme souvent en France. C'est-à-dire qu'on crée une taxe, mais d'un autre côté, à des niveaux assez élevés, mais qui ne rapportent pas grand-chose parce qu'on crée des échappatoires, donc les niches fiscales. Et alors, toujours sur le domaine de la taxation, toujours en vedette, et je pense qu'on va la voir compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure avec Joe Biden et ses 1 000 milliards d'enrichissement des riches, c'est une taxation plus forte des fortunes. Bien entendu, Hélène Rey nous l'a dit tout à l'heure, mais également Esther Duflo avec beaucoup de force. Est-ce que c'est le bien commun qui commande ça ? Alors, derrière le voile de l'ignorance, effectivement, on pourrait se dire que j'ai 3 milliards ou 200 milliards, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Et donc, il est bon de redistribuer cet argent. Donc, derrière le voile de l'ignorance, il faut garder les incitations, évidemment, à développer des choses qui sont utiles socialement. Philippe Aguillon distinguait entre Steve Jobs et Carlos Slim. Ceci dit, Steve Jobs a utilisé beaucoup de la recherche américaine publique. Il ne faut pas oublier ces trucs-là. Mais il a créé des produits qui sont extrêmement utiles. Alors après, sur cette taxation, je pense qu'il y a un problème spécifique américain, parce que la taxation aux États-Unis des gens aisés est extrêmement faible. Donc j'attends toujours de voir les États-Unis qui ferment leur propre niche fiscale et qui taxent la richesse aussi, parce que c'est bien beau de dire ça, mais pour l'instant, on ne voit pas. On a ce qu'on n'a pas en France. On a énormément de milliardaires qui paient très peu d'impôts. Et à ce moment-là, effectivement, j'attends toujours de voir Joe Biden faire quelque chose à ce sujet. Alors, commençons par les Américains. Revenons en Europe pour le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est peut-être celui qui est le plus prometteur autour de la taxe carbone, mais on a vu qu'il y a un biais pour éviter le mot taxe, en tout cas c'est ce que Christian Gaulier évoquait dans la session qu'il introduisait, qui était par le biais de augmenter l'utilisation des quotas. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que l'industrie et l'énergie qui sont concernées par ça. Ils voudraient l'étendre au transport. Attention, parce que ça ressemble quelque part à quelque chose qui a provoqué des révoltes l'année dernière en France, il y a 2 ans, pardonnez-moi. Est-ce qu'effectivement, généraliser ces quotas, c'est un bon moyen, effectivement, de se familiariser globalement avec la taxe carbone ? Il y a une question de justice et d'efficacité à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des secteurs qui ne sont pas soumis à une taxe carbone ou un quota, ça veut dire qu'ils peuvent polluer à un coût très faible. Ça ne leur coûte pas grand-chose et donc il n'y a pas de responsabilisation de ces secteurs. Donc c'est très important d'un point de vue efficacité, d'un point de vue justice aussi, parce que les Gilets jaunes avaient raison de dire « Écoutez, nous, on paie une taxe carbone de 55 euros et regardez ce qui se passe pour les transports routiers, pour le transport aérien, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les taxis, etc. etc. » Donc on a un gruyère. À partir du moment où on a un gruyère, c'est plus politiquement vivable. Et donc, parce qu'il y a des tas d'échappatoires, il y a un lobbying terrible pour être parmi ceux qui ne paieront pas de taxe carbone. Donc je suis entièrement d'accord avec Christian Gaulier qu'il faut soumettre une taxe à une tarification du carbone, pas forcément une taxe, ça peut être un quota au niveau européen. Et donc il faut faire rentrer le transport et les logements, même s'il y a des objections à tout ça. Mais je dirais 2 choses. La première, c'est que premièrement, les subventions sont des taxes. Les gens ne le savent pas. En fait, ils paient souvent beaucoup plus qu'une taxe carbone par tonne de carbone évité, mais ils ne le voient pas parce que c'est mutualisé dans leurs impôts, parce que c'est mutualisé sur leur facture d'électricité. Ils ne le savent pas. Ils paient des tas de taxes carbone sans le savoir. Et à des niveaux plus élevés par tonne de carbone évité.
Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut faire sur tout, et donc y compris les importations. C'est-à-dire qu'il faut que quand on importe des produits de pays sur lesquels aucune taxe carbone n'est prélevée, et donc des pays très polluants, il faut un ajustement aux frontières. Et là, on boucle la boucle avec Emmanuel Macron qui avait terminé son discours d'ouverture en évoquant le fait qu'il fallait effectivement que cette moyen de taxer les importateurs également soit mis en place. Et je crois qu'il pourrait y avoir, dès les prochains mois, quelque chose qui serait mis en œuvre. En tout cas, arrivant au terme de ces deux journées, je voulais vous remercier réellement, donc Jean, de nous avoir inspiré cette idée. Je remercie aussi toutes les professeurs de Toulouse, de l'École d'économie de Toulouse, qui nous ont accompagnés tout au long de ces deux jours. Bien entendu, les effectifs des Échos qui nous ont aidés à mettre en place ce bel événement, nos partenaires sans lesquels on ne pourrait jamais faire de manifestation comme celle-ci, et puis bien entendu aussi tous les journalistes de Challenge qui ont animé à mes côtés les tables rondes, qui en ont écrit, et puis surtout aller vite sur le site de challenge.fr pour retrouver ces tables rondes et les vidéos. Merci à tous, et donc on se dit à l'année prochaine, cette fois-ci à Toulouse, Jean. Voilà. Merci beaucoup et à l'année prochaine donc pour le prochain sommet du bien commun.